Alléluia. Bon réveil à toi, mon frère, ma sœur. J'espère que cette matinée s'annonce bien et que la paix de notre Seigneur, sa joie, t'a réveillé ce matin. Nous sommes encore une fois réunis ensemble en ce matin pour le célébrer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, la première lecture en ce jour nous dit que la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche ne revient pas sans résultat, sans avoir fait ce qui lui plaît, sans avoir accompli sa mission. Alléluia. C'est la première lecture de ce jour. Et cette première lecture nous rappelle la fidélité de notre Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. C'est ce refrain que nous allons chanter. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Car notre Dieu, il est fidèle. Ta main l'accomplit, Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main puissante l'accomplit, Seigneur. Ce que ta bouche a dit dans ma vie, ta main l'accomplit. Car tu es fidèle. Ce que ta bouche a dit, ta main puissante l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que tu as prononcé dans ma vie, Seigneur, ta main puissante l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Dans ta parole, tu dis, Seigneur, que la stérile enfante cette fois. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. La stérile de qui on se moque, Seigneur, si on s'appuie sur ta parole, ce que tu as dit s'accomplit dans sa vie. La stérile enfante cette fois, c'est ce que tu as dit dans ta parole. Et si, Seigneur, nous nous appesantissons sur cette parole, il n'y a pas de stérile dans ta maison. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Pour
ce que nous cherchons actuellement, que ce soit le travail, que ce soit le mari ou la femme, Seigneur, pour le mariage, la promotion dans le travail, les avancements professionnels, Seigneur. Tout cela, c'est entre tes mains, Seigneur. Et dans AG2:9, Seigneur, tu nous dis que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. C'est pourquoi nous croyons et savons que, Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole, tu vas l'accomplir dans notre vie. Car ta parole est vie, Seigneur. Tu ne te dédies point, tu es fidèle, Seigneur. Ce que ta bouche a dit, Papa, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Et c'est dans cette atmosphère, dans cette espérance, que nous allons passer notre journée en murmurant cette phrase de la première lecture aujourd'hui. En nous rappelant que notre Dieu est fidèle, qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Rien dans notre vie ne lui est caché ni inconnu. Il sait toutes choses et fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Donc gardons confiance et sachons que ce que sa bouche a dit, dans sa parole qui est vie, qui est vérité, sa main puissante l'accomplit. Seigneur, garde-nous au creux de ta main jusqu'à l'accomplissement de ce à quoi tu nous as préparé d'avance. Donne-nous de te demeurer fidèle, de garder foi en toi et de te laisser gérer nos vies. Que seule ta volonté, Seigneur, se manifeste dans nos vies et que ta parole soit effective dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.